Salut tout le monde, c'est Pixa40, on se retrouve encore sur l'épisode des Sims 3 avec notre famille Fresco, ou plutôt, je ne sais même plus comment s'appelait Matilda avant, mais normalement elle ne devrait même plus porter le nom de Fresco, parce qu'elle n'est plus avec son ancien mari. Donc j'espère que vous allez bien, parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de notre petit chien, et on va voir enfin comment il sera quand il sera grand. Ah, donc voici nos invités. Et oui, on a organisé une petite fête pour célébrer son anniversaire. Pourquoi elle veut s'évanouir, on ne sait pas. C'est n'importe quoi. Elle est même pas fatiguée. D'accord. D'accord. Super commencement de vidéo. Non mais c'est quoi ce bordel? Tom doit bientôt s'en aller. Il est censé être ailleurs. Ben ok. Elle doit partir au travail. Du coup, on a nos invités chez nous. Heureusement, nous avons notre fille. Mais pourquoi il s'en va? Bon, bah, ok, hein. Notre chien, qu'est-ce qu'il a? Ah, il est fatigué et tout. Bon, il va manger, du coup. Et puis, il va dormir un petit peu. Puis, on va le voir grandir tout seul, hein, du coup, sans gâteau, sans rien. Donc, on va aller chez son père, Alexis, qui vient de quitter la maison. Et donc, madame, comme elle est déprimée, elle va aller voir son père. Donc, j'espère qu'ils sont là. Oula, elle sait même pas se servir du truc. Ah, mais y a personne. Bon, elle va aller déposer les fiches et puis après on va repasser pour voir s'ils sont là. Parce que c'est vrai que son père travaille. Qualité bonne. Ah bah oui, c'est sûr que c'est super bonne la qualité. Il n'y a rien dedans. Ok. Ah, j'ai hâte de voir le chien grandir. Hop, on va avancer le temps. L'hôtel de file était content de voir la pile de fiches d'autorisation placée rapidement dans sa boîte aux lettres. Ce service rendu à votre professeur ne sera pas oublié. Vos performances scolaires se sont améliorées. Génial. Donc c'est déjà une bonne élève. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un chez nous? Enfin chez nous. Et non, il n'y a personne. Non, il n'y a personne. Personne qui est là. Ah, c'est sa mère. Eh ben, elle va rentrer à la maison. Elle va faire ses devoirs et tout. Et on va voir si elle peut y aller vers 20h, peut-être. Quand elle va rentrer, donc elle va manger un petit truc, du pâté impérial. Ah, du coup, on n'aura plus de bons petits plats. Confectionnés par Alexis, malheureusement. On aura des plats de merde confectionnés par Matilda. Ah bah elle va manger avec sa sœur du pâté impérial. Même si elles ne s'aiment pas, voilà, elles vont manger ensemble. Parce qu'elles sont tristes en ce moment. Oh là là, bah oui. Quoi? Plus 1000? Elle a une promo ou quoi? Une année de travail productif. Cela fait aujourd'hui un an que Matilda travaille à cet endroit. Ses collègues ont organisé une fête pour elle, énorme, qui commence bientôt. Allez à la fête. Allez, on va à la fête. La fête est pour nous. Alors, on y va. En plus, on est déprimé, donc c'est le moment de s'amuser. On est censé être riche, on a une limousine et tout. On n'a pas d'argent. Donc là, elle mange bien, nos petites. Oula, qu'est-ce que je fais? Non. Hop, elle va aller prendre une douche et puis elle va aller... Est-ce qu'elle a fait ses devoirs au fait? Non, ah bah hop, elle va faire ses devoirs. Putain, j'ai cru que c'était elle qui hurlait comme un chien. Donc si elle pouvait réparer, ça serait cool, mais bon, on va plutôt appeler le réparateur, j'ai pas envie qu'elle crève. Ah, c'est son anniversaire! Ah, il est trop mignon! Alors, comment il sera? Oh, je pensais pas qu'il serait comme ça.
Il est bizarre. Il est bizarre. Elle appelle qui elle? Ah oui, réparateur. Donc toi, fais tes devoirs. Donc voilà, nous avons notre caniche. Il n'y a aucun caniche de cette couleur-là. Alors la maman, j'espère qu'elle est bien arrivée à la fête. Alors oui. Ethan veut savoir si Mathilda voudrait un rencard. C'est qui Ethan? C'est qui Ethan? Bon, pas pour le moment. Pour le moment, on est à une fête. On va saluer un petit peu tout le monde. Et sympa cet appartement. Tout est classe, je trouve. Bon, lui, il nous aime bien, apparemment. Après, on va tenter de l'impressionner parce qu'il est vraiment très populaire. Et l'autre, est-ce qu'elle est populaire? Ah, moins. Moins populaire que celui-là, donc on va aller l'impressionner. Oula, comment il marche, il est bizarre. J'adore les Sims. Alors, c'est qui lui? Putain, il y a plein de filles. Ah, le papy nous aime bien. C'est parfait. Tout le monde veut aller aux toilettes. Elle va nous virer, elle. Non, on veut pas partir. Ah mon dieu, je l'aime pas du tout. Oula, elle pète un câble, voilà. Pff. Allez, on l'a bientôt impressionné. Ouais. Non, pas l'éteindre quand même, allumer. Je sais pas si le volume... Ouais, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Elle veut piquer un truc ou quoi? Alors on va mettre de la musique... Soul, allez. On a du mal à l'impressionner. Mais reviens. Oh. Moi aussi je fais des fleurs. De quoi on pourrait lui parler? Franchement, je sais pas, il veut même pas nous parler. Compétence athlétisme, c'est vrai qu'on est vraiment très très doué. Alors, cuisine aussi. Bon bah, casse-toi. Allez, on va boire une boisson et puis après on va danser. On va danser avec avec elle. Voilà. Se baigner nu avec Mathieu et Ming. Ouais, c'est pas super ce qu'elle veut. Cool. Comme ça, elle s'amuse un peu. Ah, j'aime beaucoup cette chambre. Celle-là aussi, je la trouve super jolie. Et celle-là aussi. Bon, après, on va rentrer quand même. On va peut-être prendre un bol. On va en profiter. Hein. Et après, on va s'en aller.
Donc le réparateur est passé. Parfait. Ah ben, c'est super grand ici, vraiment parfait. Voilà, on fait un petit pipi. Ah non, non, elles sont bouchées les toilettes, donc on s'en va. Il n'y a plus personne de toute façon. Son. Et let's go. Bon, ça nous a pas trop remonté le moral, malheureusement. Mais bon, ça va venir avec le temps. Hein. Alors, du coup... Dès qu'on rentre, on se lave et tout. Oula! Le chien fait n'importe quoi. Oh là là. C'est là où il s'électrocute. Ah! Attends, mais c'est pas du tout réparé, ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait, le réparateur? N'importe quoi. Ah, mais il a tout aspiré, du coup. Parfait. Oula, elle, elle est toujours aussi mal. Bon, ça ira mieux bientôt. Bientôt, bientôt. Quand elle ira voir son papa, ça ira mieux, j'espère. Donc on les prépare pour le lendemain. Ah, parce que c'est samedi, donc on va pouvoir s'amuser. Donc on va lui dire bonjour à notre petit toutou. C'est dommage parce que... Il était vraiment mignon. Bon, il est toujours. Après... Ah, se promener avec Ted Fresco sur le dos? Ouais. Hop. Donc elle va manger. Ah, bah elle va nourrir notre chien. Elle va nettoyer. Et elle va manger. Et puis non, non, un gâteau le matin. Part de gâteau. Et elle va réparer le lave-vaisselle. Donc ce que je vais faire, c'est en dehors de ce let's play, je vais relooker le chien. Oh putain, mais qu'est-ce qu'elle disait là? C'était trop bizarre. C'est bon, on peut plus le gronder. Ah, là, on va pouvoir le gronder. Non. Ah, je pensais qu'il nous avait gueulé dessus. Bon, on va manger. On va réparer. Et après, elle, elle va partir. On est samedi. Normalement, il doit y avoir quelqu'un là-bas. Et non, même pas. Bon, on va voir quand même, hein, peut-être le temps d'y aller. C'est pas possible. À chaque fois, ils sont pas là, les Sims. Ah, ou sinon, on peut peut-être faire reset et comme ça, il sera chez lui. Alexis Fresco. Alors, Lisette, Sim, Alexis, Fresco. Ah, voilà, t'es chez toi, t'es chez toi, t'es chez toi. Donc, elle avait invité son amoureux aujourd'hui. Ah, ou sinon, proposer un rendez-vous. Bon, non, elle va l'inviter. C'est pas souvent maintenant, elle a le droit de l'inviter à la maison. Vu que son ex-mari n'est pas là. Ah, c'est trop mignon son vêtement. J'aime trop moi. Donc elle arrive. Ah bah ils sont là. Ils sont fous amoureux. Est-ce que on peut aller chez eux? Oui. Oh là là. Ah bah c'est la maison du let's play de Mika avec Enzo. Enfin, où un moment il avait dû aller dans un appartement. Il avait pris cet appartement, il me semble. Oh là là, ils sont fous amoureux. Donc on va parler avec notre papa. Hop, on va essayer d'aller jouer un petit peu aujourd'hui avec lui. Bon, peut-être qu'en fait il travaille aujourd'hui et qu'il peut pas du coup. Ah ben comme elle, elle va travailler après, donc c'est peut-être ça qui bloque. Elle va inviter Lonis aujourd'hui. Lui, il va vouloir, il veut toujours la voir, donc il n'y aura pas de soucis. Donc elle allait avec son père tranquillou.
Bah, va monter, regarder la télé là-haut. Non, elle va faire ses devoirs. Elle va faire ses devoirs chez lui si elle peut, ce serait bien. Bon, sinon dehors, hein, c'est pas grave pour elle. C'est bon, elle peut faire ses devoirs à l'intérieur. Bah, ils sont fous amoureux, c'est pas possible. Hein. Bon, ils se sont bien trouvés, hein, du coup. Elle l'a invité ou pas? Ah oui, c'est bon. Alors, invité à entrer pour une fois qu'il sonne pour entrer. Donc on va embrasser dans la folie de l'instant. Allez, aujourd'hui on est des fous. Quoique, non! Non. Putain, je l'ai bien fait au bon moment. Non, on va faire une grimace. On va être amis avec lui pour le moment. Raconter une histoire drôle. Et on va, je sais pas, aller s'amuser dehors et tout. Exprimer l'affection. Ah, on peut pas lui demander s'il a une copine, par contre. Demander de faire une bataille de polochon. Mettre fin à l'amitié avec Melissa. Ah ouais! Ouais, allez, on va faire ça. Alors, elle a comme souhait à long terme, enfin, pas souhait à long terme, comme souhait d'être meilleure amie. Donc, je sais pas du tout comment ça se passe, comment on peut faire ça. Donc, je pense qu'il nous manque pas grand chose pour pouvoir l'être. Hein. Oh, elle est trop mignonne comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un doit aller à l'école? Ah non, c'est le travail. On va faire des petites actions avec lui, histoire d'être plus amis. Encore plus qu'on ne l'est déjà. Enfin, là, c'est énorme. On va lui offrir un cadeau. Un ticket pour le lot de le festival, voilà. Ensuite, on va lui donner la collade. Exprimer de la compassion pour Mathilda, voilà. Ensuite, on va partager un secret. Peut-être qu'il faut partager un secret pour qu'ils soient encore plus amis. Mettre fin à l'amitié avec Mathilda, mais non. Elle est folle, elle. Mais elle est amie avec sa sœur. Ah ouais. Merde, pourquoi? Moi j'ai jamais fait amie avec, mais bon. Bon, c'est quand vous voulez hein, que vous êtes meilleur ami pour la vie. Hein. Mais déjà, pourquoi? Pourquoi on ne connaît pas tous ses traits? Ça fait 3000 ans qu'on le connaît et... on ne sait pas ce qu'il est, ce mec. On va faire connaissance. Faire une tape dans la main amicale. Exprimer l'affection. Admirer. Discuter vivement. Partager ses inquiétudes, allez. On parle de tout avec lui. Ah, elle va faire pipi. Attends une minute, Lounis, s'il te plaît. Zamasi Sapso. Vini, Pida. George, y'a pas.
Of our needs. Ah. Free Kabolatan. Lodge Budiva. Wam Bahoo. Ah, demander de lier une amitié exceptionnelle pour toujours, yes. Je l'ai jamais fait en fait. Ah, trop mignon. Mais du coup, est-ce qu'ils peuvent... Ah oui, ils peuvent quand même faire des actions romantiques. Parce qu'imaginez en fait, c'est bloqué et tout. Ce serait horrible. Bon bah, ce qu'ils vont faire, c'est... ils vont regarder la télé ensemble. Ils vont regarder. Cuisine câblée, comme ça ils vont apprendre la cuisine. Le chien, il est vraiment saoulant. Donc tu vas dormir, s'il te plaît. Bon, après, peut-être qu'il va pas aimer le bruit de la télé. Mais ils peuvent pas apprendre la cuisine? Ah, peut-être pas par, par la télé. Étrange. Ah, c'est bon, le chien, il dort. Alors, elle, est-ce qu'elle peut manger chez son père? Ah, ils ont pas fait à manger. Super. Bah, elle va essayer de prendre une soupe en boîte chez eux. Bon, sûrement qu'ils vont dire « Vous êtes mal poli, rentrez chez vous !» Alors que c'est leur fille, mais bon. On va essayer quand même. On a gagné 345 simflouz aujourd'hui. Je vais peut-être faire en sorte que Amy ait un travail, mais en même temps, si je lui fais avoir un travail, et ben du coup, elle aura plus trop de temps pour avoir des amis et tout, donc je sais pas trop. Mais bon, je vais quand même le faire. Et donc, elle, elle va rentrer et elle va inviter son amie. Donc, invité. Ensuite, elle va aller réparer ça. En attendant qu'il arrive. Ah, parfait. Maintenant, il peut venir parce que voilà, il a fini le travail. Qu'est-ce qu'il pourrait faire Discuter des programmes télé. Oh, c'est pas possible. Bon, ce qu'on va faire, c'est plutôt appeler un réparateur. Comme ça, on appelle pour deux en même temps. Donc, invité à entrer. Toi, tu peux rentrer, c'est bon, t'as vu ton papa, donc rentre. Oula, ah ben, elle va nettoyer tout, la petite, en rentrant. En arrivant. Et ben, elle va prendre un petit bain, et puis comme ça, elle sera cool. On va vendre la toile. Et puis elle ira dormir. Elle peut pas faire grand chose, la petite. Hein. Bon, qu'est-ce qu'elle fait? Oh! D'accord. Ok, Mathilda. Bon, bah Mathilda... tu vas prendre une douche, ma petite. Puis bon, il faut bien quelqu'un pour le faire rentrer, celui-là, il va pas rester dehors, là. Allez, go, vas-y, toi. Oh, il est fatigué, en plus. Ah, c'est bon. Amy s'est calmée. Et Looney, c'est parti. Alors, elle, qu'est-ce qu'elle veut faire avec lui? Ah non, réponds pas. Oula, elle va pas bien du tout. Oula, ils vont pas bien tous les deux. Dire du mal sur Alexis. Bah non. Est-ce qu'on peut faire quelque chose de spécial entre eux? Je ne sais pas.
elle mange. Nettoyer les plats, ouais. Non, pas aujourd'hui, Ebenezer, s'il te plaît. Teen Manava. Durs, durs. Embrasser pour se consoler. Se tenir la main. Quoi? Merde, il peut pas. Ok, c'est pas cool du coup, du tout. On va s'excuser. Qu'est-ce qui se passe là? C'est bon. Excusez. Voilà. Embrasser et se réconcilier. Ah mais connard! Je sais plus quoi faire. Ah mais c'est elle qui... Mais attends là. N'importe quoi, elle prend une photo de lui pendant que l'autre elle essaye de le draguer. C'est pas cool du tout, Amy. Allez, va te coucher. Je vais jamais y arriver hein, avec ces deux-là. Comment je pourrais faire en sorte que tous les deux se marient? Embrasser. Complimenter la personnalité. Complimenter l'apparence. On la sait amoureusement. Il a pas l'air très chaud, le petit. Embrasser. Embrasser pour se consoler, je sais pas si on peut vraiment, mais... Non, il aime vraiment pas ça. S'excuser. Blaguer pour draguer, je sais pas trop moi. On va lui offrir des fleurs romantiques. Qu'est-ce que je fais? Ah, c'est bon ça. Draguer. Bon, on va essayer de faire l'amour avec lui. Donc je crois que j'avais bloqué la porte. Ouvrir. Se détendre. Donc faut pas qu'il parte. Donc voilà, tu restes là mon coco. Ah, Tom est courageux. Bon. Seras-tu assez courageux pour aller dans le lit? Essayer de faire un bébé. Non. Faire crac crac. Gershnik, as enough. Bah oui, bien sûr. Swerva. Alors, embrasser. Souhaitez-vous rester dormir? Clitterbug. Fermani. Big dog. Allez, ils refont crac crac et puis ensuite ils vont faire dodo et puis demain sera une nouvelle journée. Et peut-être qu'il y aura plus d'actions à faire avec lui, plus de...
d'événements concrets. Donc notre réparateur apparemment a tout réparé, on va voir ça. Oui. Et là? Oui. Bon, merci. Allez, vous pouvez dormir maintenant. Nickel. Donc on attend patiemment que le jour se lève. Et oui, vous voyez que c'est l'hiver dans les Sims. Il y a de la neige partout. Waouh, c'est super beau avec les vagues et tout. J'avais jamais vu. Et on a toujours les guirlandes. Non? C'est pas des guirlandes? Ah mais non. Ah mais c'est mignon. On dirait qu'ils sont... qui sont lumineux. Des petits trucs de glace là, je sais pas trop ce que c'est. Il a une superbe voiture quand même, j'espère qu'on va pouvoir la voir plus tard. Ah, qui est levé? C'est notre chien. C'est notre chien qui va réveiller Amy. Elle va manger des céréales ce matin. Elle veut aller consulter la météo, mais bon, c'est pas non plus... Et puis, elle pourrait aller se balader quelque part. Elle va appeler Lounis et puis elle va lui proposer d'aller quelque part. Bon, il se fait peut-être un peu tôt. Attendez, elle va aller manger. Pourquoi elle a oublié mon action, là? Va manger. Et après, à 8h, on va appeler Lounis pour lui proposer d'aller à un endroit. Elle va faire pareil en se levant. Puis elle va peut-être inviter une amie à elle, parce que c'est vrai que pour le moment, elle n'a pas trop d'amis. Donc elle va appeler elle et elle va discuter et tout. Pour eux, ça a l'air d'aller. Elle ira juste manger en se levant. Elle ira manger une crème glacée et puis elle ira aux toilettes aussi. Et directement après, on pourra appeler Lounis. Invité à... On va l'inviter à aller... Pourquoi pas aller faire de la patinoire ou un truc par là, parce que je sais qu'il y a le parc, donc voilà. Après, sinon, ils peuvent aller danser dans un bar et tout, ça peut être sympa. Bon, on va commencer par le parc et puis après, plus tard, on ira... On ira dans un bar, ce sera cool. Ah ouais, on va faire des batailles et tout. Participer. Ah, ça va être trop bien. C'est où tous ces trucs là? Ah, bataille de boules de neige. Et après, demander de faire un bonhomme de neige. Ah, ça va être trop cool cette journée. Qu'est-ce qui se passe? Lucie, Lucie! Oh non! On n'a pas payé les factures! Bon, bah, elle va nous piquer. La bibliothèque. Bon, c'est pas très important, hein, mais. Ça nous fait chier quand même. Voilà, bon, au moins tout le monde est réveillé du coup. Merci monsieur l'huissier, c'est super génial. Attendez, c'est une sirène ou quoi lui? Oh non. Ah non. Ah non, non, non. Embrasser dans la folie de l'instant. C'est une sirène. Pourquoi? C'est n'importe quoi. Une sirène à Bridgeport. Hein? Bon allez, vous allez devenir amoureux là ou non? Oh
Bon bah écoutez, c'est déjà fini l'épisode. C'est dommage, je voulais vraiment... Bah, si vous avez des idées pour faire en sorte que les deux soient plus proches, bon, pas ceux-là, hein, mais les deux vieux. En tout cas, ceux-là sont déjà super proches. Et vous me le dites dans les commentaires. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, alors mettez un j'aime. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à rejoindre ma page Facebook et Twitter qui s'affiche en bas de l'écran.